La province de Langouni, via le département de Tsambamagoti, précisément ici à Fougamou, a présenté ses atouts touristiques à la mission d'identification du potentiel touristique et artisanal du pays. Une mission menée par Pascal Ogoé-Siphon, le ministre gabonais du tourisme. La capitale du département de Tsambamagoti, comme toutes les autres localités du Gabon, regorge un potentiel touristique important. Évidemment, avec notre visite qui rentre dans le cadre de la mission d'identification du potentiel touristique, oui, Fougamou, la population touristique de Fougamou peut évidemment espérer des lendemains meilleurs avec la vision qui est celle de notre ministère, à savoir valoriser le patrimoine touristique. À côté des sites touristiques, la province de Langouni offre également un matériel utile et important pour le développement de l'artisanat. Aujourd'hui, nous constatons que la nature a été bien fournie. Vous voyez là derrière moi, nous avons ce qu'on appelle vulgairement le bambou de Chine, le bambou. Parce qu'il faut dire que la Chambre nationale des métiers a été mise en œuvre pour accompagner les artisans dans le renforcement de leurs capacités techniques, managériales et entrepreneuriales. On fait les rapias. Je vis avant, moi je suis un fabricant de matériel, moi je fabrique des tam-tams, des guitares, des balafons. Des sites tels que la rivière Ngouni derrière moi, les chutes de l'impératrice Eugénie entre autres constituent des atouts pour valoriser le tourisme dans cette partie du Gabon.